Mesdames, ce moment vous est offert par Fort Boyard Channel. C'est bon, Laurent, dis-moi, 4 indices seraient top. 4 indices, il nous faut. Non, ce serait les gars. Allez, Laurent, faut. Ah, il nous faut. Envie. Mais si tu vas avoir l'envie, va venir très vite. Ah, il nous est faux, là. Waouh. Il a de la... Il est dans. Oh, qu'est-ce que ça va être? Top générique. Du père Foichon. Alors, mon petit Laurent, comment ça va? Moyen. C'est quoi cette surprise? Moi, je m'attendais pas à être là. Je pensais à ce que ce soit l'ADJ. Avouez tout de même qu'on sait recevoir sur le fort. Hein. Oui, oui. Vous pouvez vous prélasser, vous délasser, vous relaxer. Relaxer, vous êtes sûr, ce fort? Pas sûr, bon. Que je pourrais me relaxer. Là, l'eau est à la bonne température? Très, très bonne pour l'instant, elle est chaude. Bon, alors, je vous explique. Hein. Dans le spa, vous avez 3 jacuzzi. Je vais vous poser 3 questions, une question par jacuzzi. 2 bonnes réponses, vous remportez l'indice. Mais attention, vous n'avez droit qu'à une seule erreur. C'est très clair? Oui, c'est clair, mais oui, oui, c'est clair. Passe-muraille, c'est à vous. Oh, qu'est-ce que c'est? Ah, des crabes. C'est là où la G se dit, c'est bien que le père Foura soit trompé. Ah, ouais, mais vraiment. Alors attention, voici la première question. Dans la marine, qui est surnommé le crabe chef? Est-ce le quartier maître de seconde classe ou le capitaine de corvette? Bah allez, réponse 2, capitaine de corvette, mais... Eh ben écoutez, je vous annonce que... c'est faux! Ah oui, bah oui. Bah, capitaine de corvette. Alors là, vous venez juste d'épuiser votre droit à l'erreur, mon petit Laurent. Donc c'est un sans faute maintenant qu'il vous faut. On passe au deuxième jacuzzi. Il y en a encore un, là. Regarde, sur la fesse, il a un crabe. Ah. Il m'aime, hein, il m'aime bien, les crabes, hein. Là, faut qu'il fasse les 2 tout juste, là. Ah oui, les 2 suivantes. Allez, Laurent, allez, s'il te plaît, Laurent, on a besoin. Obligé. Comment vous sentez-vous? Moyen, pas au top. Je me détends pas comme dans un vrai spa, on va dire. On va faire monter la température, non pas de l'eau, mais de l'ambiance générale. Oula. Passe-muraille, procédez. Oh, 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 ah, les grenouilles, oh. Les grenouilles, oh, non, non. Puis c'est gluant, tout ça, là. Ah, ça va. Attention, voici la deuxième question. Ça chatouille. Quel est le nom du crapaud de Neville-Londubat dans Harry Potter? Est-ce Croutard ou bien Trevor? Trevor. Moi, je pense que... Attends. Mais oui, c'est Trevor. Bien sûr, c'est Trevor. Très bonne réponse, bravo. Vous avez une bonne réponse. Ok, bien joué. Attention, vous passez au troisième jacuzzi maintenant. J'ai plus de crapaud sur moi. Tout va se jouer maintenant. Passe-muraille, c'est à vous. Oh, bah, oh, bah. Ah, c'est quoi, c'est des serpents? Ah bon, ça va, ça me dérange pas. Les serpents, waouh. Mais non. Si, regarde. Voilà, hop. Ça, j'aurais jamais pu. Oh là. Je vais te le faire. Jamais. Il est fou. Ça ne vous fait pas beaucoup d'effet, j'ai l'impression. J'aime bien les serpents, ça me dérange pas. Il me met bien. Troisième question. Combien il y a-t-il de serpents dans la baignoire avec vous? Ah bah là, je sais pas. 12 ou bien 13? Alors, attends, je vais essayer de compter. 1, 2, 3, 4. J'en vois que 12, 12, 12. 12, c'est votre réponse? Ouais, c'est ma réponse. Effectivement, c'est bien 12 serpents. Oui, là. Ouais. Écoutez, vous avez remporté l'indice brillamment, je dois dire, vraiment. Yes. Bon, merci. Ben, vous ressortez, allez rejoignez votre équipe. Toute l'équipe du spa vous remercie de votre visite. Merci. Et vous attend pour de prochains soins personnalisés et un délassement total. Bravo. Oh, bravo. T'as gagné l'indice. Yeah. Quatrième indice.